dis donc, on dirait bien que ton patron la colle de près. Il était bien gentil, finis ton verre et dégage vite. Ah, je vois le traquenard. On t'a payé pour que tu la fermes au cas où les questions dérangent. Je m'oblige pas à m'en servir. Allez, dégage. Je suis sûr que vous avez tous les mains sales ici. Je veux savoir écoute, ce qui lui est arrivé. Écoute, va avec ton grand-père. Ça au moins, c'est à ta portée. Allez, pars-toi. On se reverra. Arrête un peu de te foutre de ma gueule. Tu me dis ça à chaque fois, ça fait bientôt 2 semaines. Il faut savoir faire preuve de patience. Passion avec une stripteaseuse? C'est une blague. Vous êtes encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Vous êtes vraiment très séduisante, absolument exquise. C'est merveilleux, tout ce que vous savez de bien, le docteur va le transplanter sur elle. Mais votre coup de garce, ça ira sans détour dans les égouts. Vous pouvez toujours vous sortir de là. Mais cela vous coûtera bien davantage qu'un petit striptease. Alors si vous voulez éviter d'aller en chambre d'opération, il faudrait donner davantage. J'ai cru que tu avais appelé. J'avais peur que le docteur t'ait emmené sans m'avoir prévenu. Je suis bien. Reprenne un visage humain. Voilà une bonne chose de faite. Debout, bouge-toi un peu. Allez. Tu devrais être heureuse, Gorgona adore ton corps, et moi aussi. Alors inutile de t'inquiéter, on en fera un bon usage. Ce sera splendide. Va te faire foutre. C'est trop tard. C'est déjà fait. Allez-vous opérer? Comme si je ne le savais pas déjà. Docteur Pack a insisté. Je suis d'accord. Gorgona en a tellement besoin. Quand l'opération sera terminée, tu feras moi la maligne. Tu ne seras plus l'unique chef-d'œuvre. Mais je resterai l'unique panthère tueuse. Tu ignores le nombre de personnes qui sont passées ici avant toi. Ces beautés infatuées d'elles-mêmes perdaient toute grâce une fois qu'elles tombaient entre mes mains. Plus question de parader, jeune homme. Mais il faut me comprendre. Cela est tellement éprouvant lorsqu'une créature comme Aliana te fait savoir qu'elle ne veut pas de toi et que tu la dégoûtes. Allons, imagine un peu. Ne t'inquiète pas, il ne sera pas difficile de te rendre aussi laid que moi. Nous pourrons ainsi discuter de tes impressions.